Suite de la 20e journée de D1 Futsal ici en Normandie au gymnase Eugène Laporte. Hérouville qui reçoit l'UJS Toulouse. Hérouville qui rêve évidemment du maintien et qui peut encore y croire. La frappe, elle est magnifique cette frappe d'Hamza Azaknini. C'est magnifique, c'est en pleine lucarne et je peux vous dire que ça sera certainement dans le top but de cette journée. Regardez-moi ça, ce ballon qui ressort et la frappe magnifique, pleine lucarne. Gros match aussi. Et ce but magnifique, Simon Luc qui fait le break sur le corner. Oh, on s'était tous un petit peu endormis et derrière le break. Ah, ils sont tout en fraîcheur, tout en froideur, cette équipe toulousaine aujourd'hui. Lucas de Almeida, la frappe et ce dernier arrêt de Thibaut Garros comme le signe d'un match défensif toulousain assez impressionnant. Il s'impose l'UJS Toulouse aujourd'hui 2-0 sur le terrain d'Hérouville.